Donc là, dans une deuxième partie, je vais vous montrer comment faire le hamac de table en papier mâché avec son support. Donc pour faire le hamac, comme d'habitude, ce sont avec des matériaux très simples. J'ai utilisé du journal ou des prospectus, de la colle à papier peint de l'eau. J'ai utilisé également de la colle chaude. Sinon, pour le support du hamac, j'ai utilisé aussi un fil métallique et également de la corde en renfort, puis de la peinture acrylique. Et pour le hamac lui-même, donc j'ai pris deux anneaux métalliques fermés de 2 cm, mais vous pouvez très bien utiliser des anneaux de rideau de douche, par exemple, en plastique, hein, c'est exactement pareil. Et aussi du fil de la ficelle de coton. Et voilà. Donc, passons à la réalisation.
Donc, nous allons faire un fil métallique pour la partie intérieure.
vais le faire qui est le support pour le hamac. Donc avec une grille à bois et dans les extrémités de chaque côté. Voilà, de façon à ce que ça traverse de l'autre côté. Alors, normalement, notre crochet se met dans l'autre sens. Voilà. C'est la même chose de l'autre côté. Voilà, je fais en sorte que ça traverse de l'autre côté. Ça doit être comme ceci. Comme cela, comme ça, on pourra mettre notre hamac. Alors, on avait également les bois de hamac. Voilà, donc nous allons percer les trous de façon à faire passer nos fils de hamac à l'intérieur. Donc, pour ceci, mesure. Et la mensuration c'est 8 cm pour ce hamac. Donc je vais faire passer mes fils par le milieu. Donc je vais tracer une ligne médiane. Voilà. C'est 2 cm. Donc là on est juste au milieu. Et je vais les faire passer tous les centimètres. Donc je mets mes points tous les centimètres. Voilà. De l'autre côté. Et nous allons percer nos supports en bois, enfin, supposé bois de la mer. Pareil, il faut traverser.
allons peindre le support du hamac avec le montant. Donc j'ai fait une potence pour pouvoir peindre mon support du hamac dessus dessous en une seule fois. Avec une boîte de carton, j'ai fait passer du fil de fer à l'intérieur, comme ceci. Donc le fil de fer passe complètement à l'intérieur, voilà, il ressort et il est pris dans des encoches de chaque côté et il est prêt à recevoir mon hamac. Voilà, comme ça, je peux peindre mon hamac. Donc, comme ceci déjà à la base, je vais peindre le dessous et après, je retournerai directement et le hamac pourra être peint en une seule fois et séché en une seule fois. Petite astuce, donc idem pour les bois du hamac. Donc avec des allumettes dans le trou de la partie centrale, voilà, je place mon allumette. Je vais pouvoir peindre dessus et dessous en une seule fois et le positionner sur une plaque de polystyrène. Et je vais le faire.